rencontre. À l'affiche aujourd'hui, l'Allemagne contre le Mexique. Bonjour, Grégoire Margoton, heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de football. J'ai en ma compagnie Darren Tulette et son regard décalé. Salut Darren. Oui, salut, salut Grégoire. On attend beaucoup de ce match, espérant qu'il tienne toutes ses promesses. Les joueurs entonnent l'hymne national. Écoutons maintenant l'hymne de l'autre équipe. Et maintenant, jetons un œil aux compositions d'équipe. Le match commence. Dites-moi, Darren, qui sera pour vous le joueur de cette rencontre? Eh bien, je pense tout de suite à Javier Hernandez, notre ami Chicharito. On ne le considère pas. Ils obtiennent un coup franc. Il voit le cadre se dérober pour quelques centimètres. Ah, c'était ambitieux, c'est sûr. Et à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien. Il y a quelques signes prometteurs de leur côté en ce début de match. À eux d'en profiter maintenant. Un long ballon vers l'avant. Diego Reyes. Aguilar. La passe en retrait vers son défenseur. Il change complètement de côté. Faute, oui, faute et coup franc à venir. Dernier avertissement oral de l'arbitre, la prochaine fois le carton va sortir. Il avait déjà été averti oralement, mais là, l'arbitre semble lui dire que c'est la dernière fois. Oh, il centre ! Quelle intervention du gardien ! Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Chan ! La parade, superbe ! Il met le pied, ballon récupéré. Dans le dos de la défense, il la tente. Ah, il a failli en profiter. Il était pas loin de faire trembler les filets, encore une fois. Il fait partie de ces joueurs capables de créer le danger à chaque prise de balle. Il me ressemble beaucoup. Ce ballon bien dosé, qui est bien placé. C'est joué long, attention. Très belle ouverture. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. L'interception au bon moment. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est reparti, ils peuvent contrer. Une très grande ouverture. Ouverture vers le poteau de corner. Bonne intervention. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Il joue dans l'espace. Ça peut être extrêmement dangereux.
L'Allemagne qui cherche l'ouverture. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Long ballon dans le sens du jeu. En retrait pour repartir proprement. Il préfère jouer avec son gardien. Le gardien loin devant. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Il file au but. Elle continue sa course. Et ce ballon vers ses attaquants. Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. La défense a fait du super boulot. Ils ont bien contenu les attaques adverses. Je ne me souviens même pas d'une occasion. 0-0, tout est encore possible dans cette rencontre. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Il y a une équipe qui a tiré presque deux fois plus au but que l'autre, même si le score suggère un certain équilibre. Pour trouver la faille dans la défense, il glisse le ballon en profondeur. Chan, c'est joué long. Il poursuit son effort dans l'axe. Pour trouver la faille dans la défense. Il est arrivé à se mettre en position, mais il n'a pas pu déclencher. Guarenado. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est bien fait, ça. Le bon dribble. Il tire. Il avait fait le plus dur, pourtant. Il a essayé d'y aller tout seul et il n'était pas loin de marquer d'ailleurs. Premier corner dans cette rencontre. De la tête, ça rentre! Et le voilà, le premier but dans cette rencontre. Il était bien tiré ce corner et le timing parfait. Voilà, ça c'est une tête, un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction, et ça me donne un but. Bien, c'est reparti, ça fait 1-0. Je ne sais pas ce que le manager leur a dit à la pause, mais ça a marché, 1-0. Il adore aller au duel, les défenseurs adverses sont prévenus. Aguilar. Et cette défense d'Arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans le dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Oui, il y avait bien faute. Et il est sorti du jeu. Sur la touche, sa préparation est terminée. On dirait qu'il y a du changement dans l'air. Le premier changement n'a pas franchement été décisif. Alors là, l'entraîneur abat sa deuxième carte. Jonathan Dos Santos. Dans l'espace. On joue sur l'aile, il est servi. Ce sera 6 mètres pour le gardien, je crois. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Ça joue à gauche. Dans le dos de la défense. Ça va soulager un peu. Jonathan Dos Santos. On voit beaucoup de jeux sur les ailes. Sans rire. Oui, mais il me chambre l'anglais. Mais j'ai raison ou pas? Oui, oui, bien sûr. Mais c'est normal, quand vous êtes face à une défense regroupée dans l'axe, sur les ailes, ils ont plus d'espace, plus de temps pour trouver la bonne solution. Voilà tout. C'est clair avec vous. Le joli geste. Vella. Bonne course, côté droit. Et la petite feinte qui va bien. Allez, plus que quelques instants à tenir. C'est étonnant. On a l'impression qu'ils se contentent du minimum. Faut se projeter vers l'avant, dès maintenant et rapidement. Jonathan Dos Santos. C'est fini! Le match est terminé! Ils assurent l'essentiel avec la plus petite démarche. Le plus important, c'est que la victoire est au bout. Ils ont eu beaucoup de mal à rentrer dans le match et on se dirigeait carrément tout droit vers un 0-0. Et puis heureusement pour eux, ils ont trouvé la faille.
Merci Darren de nous avoir éclairé tout au long de cette rencontre. Très belle soirée à tous. À très bientôt. Salut.